Et oui, voilà, je suis à la CAF. Allez. Alors 9h 10h 10h et quart et Monsieur Morera le rentre. Antonio Charlotte. Oui, Antonio et Charlotte. La marque ne va pas parler. Merci. C'est bon? Ouais. 10h15. Antonio Charlotte, madame la reine derrière. C'est bien étonné que je vois le nom Charlotte, mais c'est un homme qui parle derrière moi. Il voilà. Y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Je ne pas que la voix d'un homme, ici, je vois Charlotte, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Pourquoi ça vient? Pas ça vient. Ok, d'accord, pas de problème. Pardon? Ouais, maman, dépêche-toi. Putain, de vrais deux chevaux, celle-là. Maman est deux chevaux. Une vraie dodoche.
Donc, je vais voir le car, au matin, je crois. Je vais voir le fait pas de bruit, mais c'est un peu normal. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de montage, ce son. Thank you.
C'est
là d'abord. Oui, c'est ça. Non, j'attends d'abord. Gracias.
Ah oui. Attends. Tac. Je vais voir si c'est ça. Rappel plus. Ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est le rendez-vous aujourd'hui. Mais votre numéro d'allocataire, il n'est pas dessus. D'accord, attendez, je ne sais pas savoir. Vous avez une petite carte peut-être vers vous, voilà. Ou quelque chose. Voilà, c'est ça. En plus, je l'avais avec moi. C'est pas grave. Parfait, merci. À fur et à mesure, j'aurai 0 euros. Non, c'est quoi? Vous avez dit, c'est en 2019 qu'en 2018. Oh, mais bon, c'est pareil. Alors, là, on fait ça. On a un droit de calculer. Avant, vous aviez une pension d'un coup. Okay.
300 et quelques euros que je foute avec ça. Combien? J'avais 300 et quelques euros. Vraiment? Si, c'est ce que j'ai reçu, hein, j'ai reçu un autre. Hein. Soit disons que je dois rembourser une dette. Ah, c'est parce qu'il y a une créance, mais votre droit il est beaucoup plus élevé que ça. Il est à 665,57 €. Mais du coup, on a retenu 329,30 € mmh. par rapport à une des créances. Ça fait 3 mois qu'on retient 329,30 €. On a retenu sur octobre, novembre, décembre pour rembourser une créance. Au mois de janvier, il y a même là, sur 300 euros. Ah oui. Ça fait 3 mois donc. Alors, en janvier, 336,27 €. C'est le droit de décembre diminué de 329,30 € qu'on a retenu en remboursement de la créance. En décembre, vous aviez reçu la même chose et début novembre, vous aviez reçu la même chose. Ça fait déjà 3 mois qu'on se rembourse d'une créance, monsieur. Et créance, ça c'était déjà quoi? Non, soit disant que je vais rembourser. Il y a une créance d'allocation d'adulte handicapé qui a été déclenchée en fonction d'un changement de situation professionnelle de pas un mois. En mois de juillet 2018, qui n'était pas enregistré. Et du coup, on a versé trop d'allocations. D'allocations à titre handicapé sur les mois de juillet, août et septembre. Donc, on s'est déjà remboursé. Et il reste encore à devoir 100,32 €. La prochaine fois, qu'on la donne pour. C'est tout. Mais si on a fait logiquement son droit à titre handicapé, ça au total de combien? Parce qu'en ce moment, je ne travaille pas depuis le mois de novembre. Même l'APL. Il y a tout qui est touché et tout. Votre système, il est bon. Attendez, nouveau droit de janvier. Alors, on est au courant monsieur, que madame est au chômage indemnisé depuis le 1er novembre 2018. Au bout de 2 mois d'indemnisation, on fait un abattement de 30% sur les ressources et on revoit les droits. C'est ce qu'on a fait. Donc, novembre, décembre, janvier. Les droits changent en janvier, 2 mois après. Donc, vous avez 38 € d'allocation logement, vous passez à 157,98 €. Vous aviez 665,57 € d'allocation adulte handicapé, vous passez à 860. Et vous n'aviez pas la majoration pour vie autonome. Et là, vous avez en plus 104,70 €. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez moins, vous avez beaucoup plus, du coup. D'accord, ok. À partir de janvier, 2 mois après le début d'indemnisation de madame. Okay. Nous sommes déjà en janvier est déjà plus. Il n'est pas payé. Il est payé à partir de lundi prochain. Oui, d'accord, ok. Et il sera sur votre compte le 5 février. Le mois de janvier est toujours payé le mois suivant, le 5 février. Mais je peux vous poser une question? Oui. Moi, j'ai une TCP. Je vais faire moins de bruit là-haut. Moi, j'ai une TCP. Oui. D'accord? L'allocation tierce personne. Oui. C'est la seule allocation qui est différente de la vôtre. Qui veut dire, même si madame elle travaille ou quoi que ce soit, elle bouge même pas un poil. C'est pas nous qui définissons. Oui, c'est le conseil général. Vous avez votre réponse, c'est pas nous, ça ne relève pas de nous. Ouais, mais bon, c'est pour vous dire en gros que votre système, il est NUL. Eh ben, c'est ce que vous pensez. Non, c'est pas moi qui pense monsieur. Comme ça. C'est votre point de vue. Ce n'est pas moi qui pense comme ça, c'est les assistants sociales. Que la pédie, qu'est-ce que j'aimerais poser parce que moi je suis vacataire, je travaille en tant que vacataire, donc il y a des mois je travaille et il y a des mois que je travaille pas. Les mois que je travaille pas, donc j'aimerais savoir pourquoi ça ne prend pas automatiquement le mois suivant. C'est bien, en fait, dès que vous travaillez, ça prend effet automatiquement pour enlever l'abattement. Par contre, quand vous travaillez pas pour mettre en place l'abattement, il faut 2 mois de chômage et un décalage. Ouais, ça, je suis contente. Donc là, du coup, le décalage va se faire que sur le mois de janvier 2019. Donc si vous n'avez pas travaillé en janvier, là, c'est bon. Si vous retravaillez en février, ça sera. Mais en janvier, là, il y a travaillé que 10 jours. Là, vous avez travaillé, donc ça va sauter. Les montants que je lui donne ne sont même pas bons. Parce que vous avez fait votre déclaration à Pôle emploi, là. Pas janvier. Faites-le.
Pas encore parce qu'elle n'a pas encore reçu le bulletin. D'accord. Ben, si vous avez travaillé en janvier, les montants que je vous donne sont pas bons. Parce que du coup, on va faire sauter l'abattement tout de suite sur le mois de janvier. Voilà. Donc il va falloir aussi parce que vous envoyez vos dates d'activité pour le mois de janvier. Vous les avez? Je vous enverrai la copie du bulletin de salaire dès que vous l'aurez. Ben, j'ai le bulletin de salaire à partir du mois de. À partir de la date des 10, 12, entre 10 et 12, jusqu'au même deux fois au 15. Le mois prochain? Je vous l'enverrai à ce moment-là. Mais c'est possible que les paiements seront déjà partis, qu'ils seront pas dus, qu'ils seront pas dus. Malheureusement. À moins que vous me disiez aujourd'hui. Non, c'est que juste 10 jours, donc du coup, ben, pour 10 jours, et puis ben, faire sauter ça. Ou alors, je prends aujourd'hui vos dates d'activité et je ne fais pas partir les paiements. Ouais. Il n'y aura pas de créance. Ah ben vaut mieux attendre parce que je ne sais pas au fait le nombre vous de. Vous préférez de... qu'on laisse partir l'argent et que vous remboursiez derrière. Lorsque je c'est sais vous pas, qui me dites. Lorsque je ne sais pas le nombre de plus les salaires bruts, donc je ne pourrais pas déclarer. Mais vous savez vos périodes d'activité, vos dates. Vous savez vos dates. Vous avez travaillé de quand à quand? Ben, j'ai travaillé sur 2 semaines, mais pas de temps complet. D'accord. Voilà, et donc ben, il faudrait alors, que ça calcule avant de donner l'heure. Et d'accord. Ça. Alors, ce qu'on va faire, on laisse le dossier en l'état. Le paiement part lundi et il sera sur le compte le 5 février. Vous nous envoyez votre bulletin de salaire. Vous déclarez à Pôle emploi. Et en fonction de ça, on verra si on doit créancer les prestations. Mais forcément, il faudra revoir un dossier. Attendez-vous en fait à chaque fois que vous travaillez à avoir créance. Mais je pense que ça ne va pas jouer lorsque c'est juste un petit temps partiel. Ben ça, en fait, ça va dépendre du nombre d'heures que vous avez fait et de ce que va aussi vous verser pour l'emploi. Mais dès qu'il y a une activité salariée, on va voir les droits de succession. Ok. Mais attendez-vous comme ça, est-ce que votre, selon l'activité au moins le mois, le dossier va fluctuer souvent. Il y aura souvent des créances, il y aura souvent des indus et des prélèvements sur les prestations. Il faut vous y attendre. C'est, c'est votre situation professionnelle qui est atypique, qui est comme ça, et qui va créer tout le mois des modifications sur le dossier, des réactualisations. On ne peut pas faire ça. Là, par rapport à l'APL. Oui. Bah, justement, ça aussi. Parce que là, vous êtes au chômage, en non indemnisé, nous, on vous a au chômage depuis le mois de décembre, on vous dit que ça influe sur le montant de votre APL à compter de janvier. Si vous avez travaillé en janvier, il n'y a plus lieu de faire l'abattement, parce que l'APL n'est pas du tout dans le même montant. Varie en fonction de votre situation professionnelle. Donc, du coup, ben, le problème est que c'est moi qui fais tout ça. C'est parce vous, que j'ai travaillé. C'est votre situation professionnelle qui fait fluctuer le montant des allocations de monsieur, de monsieur et de l'allocation aussi. Ouais, ça, on ne peut rien y faire. Tu veux que je te dis quelque tous chose les, tous les mois, non, on ne vous dit pas, madame ne doit pas travailler, je m'y attends. Tu dis, tu dis. Non. C'est pas comme ça. C'est ça en gros français. Mais. Enfin, là, on n'a pas le choix. Malheureusement, vous avez toujours plus au niveau de votre situation professionnelle, de votre activité, que ce que nous, on peut vous verser dans tous les cas. Donc, gardez votre activité, mais sachez en fait que oui, ça va coûter sur le dossier. Ok. Voilà. Désolée. Mais ouais, dès que vous avez votre bulletin de salaire, régularisez auprès de nous et régularisez auprès de l'emploi. Oh, du coup, ben, après les 10 semaines, après les 10 jours, ben, je ne travaille plus en gros. Eh bien, vous signalez, en fait, quand vous allez envoyer votre bulletin de salaire, vous faites un petit mail. Vous avez envoyé un petit mail sur le compte. Sur le compte de la CAF? Oui, sur le compte de la CAF. Ben, je n'ai jamais fait, mais je vais essayer. C'est possible. Si, c'est faisable, je les ai vus. Ouais, c'est ça, j'ai dit, je vais essayer. Vous pouvez vous avertir de tout changement de situation en temps réel, comme ça, ça évite. Des créances et des mails sont traités automatiquement. Vous nous indiquez votre date de début de fin d'activité et vous nous indiquez qu'après vous n'avez pas eu de revenus et que vous ne travaillez pas sur le reste du mois. Et vous joignez votre bulletin de salaire. On peut faire une modification rapide. Donc je scanne mon bulletin de salaire pour le envoyer ça à la Là, vous ne pouvez pas le scanner. Ou juste donner ça à la et puis envoyer un mail. Ici.
Ouais, vous pouvez avertir Pôle emploi et envoyer un mail avec vos dates d'activité, le montant de votre salaire et le truc que vous avez fait venir chez Pôle emploi, et nous on ira voir le dossier Pôle emploi. Mais malheureusement, oui, on peut être tous les voilà. Merci beaucoup. Merci au revoir et bon service. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. Ça revient en gros à forcer le chômage. Non, c'est pas ça, t'as pas compris toi. Je te retraduis tout. Non, je te retraduis tout. Je ne vais pas rester au chômage et puis à cause de moi, tout est. Comment on appelle ça? Bah voilà. Non, parce que tu. J'ai pas travaillé au black. Je parle des gens qui travaillent au black. Je vais à la Croix Rouge. La Croix Rouge. Ah oui, d'accord. Comment on appelle ça? Là, à la Croix Rouge, là. Oui, j'ai compris. Mais bon, t'as pas compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, bref. Bon, bah mes petits, hein. La vidéo ne sera pas montée du tout, hein, je la montre pas là. Je vais la laisser comme elle est. Hein. Je dis ce que je pense, mais c'est un peu con, mais bon. Voilà pourquoi les gens veulent pas travailler. En grosse majorité. C'est ce truc-là, tout simplement. Ce petit truc-là. Voyez, pour des allocations, tu bosses pas. Voilà. Putain. Et moi, c'est pas pour une question d'allocation, j'ai besoin de mes revenus. Tout simplement parce que je suis au chômage. Et même quand je suis au chômage, je ne touche rien. Parce que j'ai pas le droit au RSA. Je n'ai aucun droit au RSA. Parce que j'ai travaillé dans un établissement spécialisé. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Donc, je me déclare à Pôle emploi. Mais bon, je ne touche rien par Pôle emploi. Et en plus, pour ceux qui écrivent des conneries sur le web, pour votre information, j'ai cotisé pour travailler, bande de cons. D'accord? Donc, ça, vous ne le saviez pas. Voilà. Donc, j'ai cotisé aussi. Donc, j'ai cotisé 30 ans. Et comme c'est un boulot qui ne m'a jamais intéressé, donc, il faut être un peu con à pas comprendre ça. À part juste écrire des sottises. Voilà. Bon, bref. En gros, ça veut dire, en gros français, si je retraduis tout, et tout ce que vous avez entendu, bien sûr. C'est ce que je vous dis. Voilà pourquoi les Français sont feignants. Entre guillemets, hein, je ne parle pas des vrais Français qui sont pas feignants. Ils veulent travailler tous, mais bon. Ils imposent les gens à être feignants, en gros français. Ils imposent. Tu n'as pas le droit à ça. Parce que tu touches un peu, tu n'as pas le droit à ça. Tu touches ici, tu n'as pas le droit à ça. Et voilà. C'est le petit défaut de la CAF. Il faut que cette CAF, elle soit modifiée. Je comprends maintenant pourquoi les gilets jaunes se battent. Moi-même que j'en suis un, je sais qu'il y a des droits n'importe comment. On donne n'importe comment à ceux qui ne méritent pas, mais ils le donnent. Alors, je comprends pourquoi une certaine personne n'a pas envie de travailler. Il touche son allocation et basta. Alors, ceux qui touchent le RSA, ils font croire qu'ils cherchent du boulot, mais ils ne cherchent pas du boulot. Et c'est pas quelle chance que ce n'est pas tous comme ça. Parce qu'il y en a qui préfèrent avoir une activité professionnelle. Et moi-même, j'en suis dans l'activité professionnelle, malgré que je suis obligé de tourner en sous-marin un peu, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Si,
si mon travail était, comment dire, était un peu respecté, au jour d'aujourd'hui, je serais en train de tourner convenablement. Mais comme vous avez toujours des gugus qui aiment bien emmerder le monde, on se demande pourquoi ils sont nés pour faire de la merde, c'est tout. Hein, pour être complétiste du cerveau, ça c'est sûr, hein, avec leur MMA à deux balles et tout ça. C'est tout ce qui leur intéresse, c'est leur MMA. Bon bref, on s'en fout de tout ça. C'est pour vous dire en gros, voilà, truc qui est illogique. Alors moi, vous voyez, vous avez entendu ma femme, vous voyez, elle parle de divorce et tout ça. C'est ce que ça fait rabeler. Mais moi, personnellement, je m'en contrefiche. Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que je l'ai déjà expliqué à elle aussi, que genre, comment ça fonctionne. Mais comme elle est bornée, elle ne comprend rien. Hein. Les gonzesses qui comprennent même pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, pendant, je vais vous expliquer. Moi, j'ai travaillé pendant, quand madame est arrivée, hein, je parle, pendant 7 ans. Hein, 7 ans. Hein, 7 ans. Et dans ces 7 ans, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, que même un peu moins même, mais bon, ce qui se passe, c'est que mon allocation ne bougeait pas un poil. Parce que madame, elle ne travaillait pas. Et encore, elle travaillait une fois. Elle a travaillé deux fois et surtout avec ce qu'elle avait, ils n'ont même pas touché l'allocation. Vous voyez ? Donc je fais comprendre. Elle aussi, elle va avoir son sou. Moi aussi, je vais avoir mon sou. Mais on ne peut pas. Parce que tu as une allocation. T'as une allocation familiale aussi conne qui fait le barrel de pas de toucher aux allocations adultes handicapés, que normalement l'allocation adulte handicapé n'aurait dû être même pas touchée. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils sont pas intelligents. Donc voilà. Et ça, c'est con. Mais bon. Faites ça comprendre à des gens qui ne comprendront pas. C'est la logique qu'eux-mêmes, ils ne savent rien. Alors, les assistants sociaux qui se battent dans ce milieu, la CAF, elle les croit pas. Parce qu'elles croient que, non, les assistants sociaux, elles disent pas ça, Bien sûr. Parce que vous connaissez rien, les vrais assistants sociaux. Les assistants sociaux se battent. Donc, bref. Se battent, mais ils peuvent pas. Parce que, tout vient de là-haut. On revient à la politique, en gros français. On revient à la politique. Hein. Donc, tous les politiciens de merde, entre guillemets, sont tous des cons. N'ont jamais pris compte ce système. Pourquoi l'allocation adulte handicapé, elle est toujours, quand le conjoint gagne, l'handicapé qui est conjoint, bah, il se retrouve scellé. On va dire entre guillemets, tu te retrouves avec des dettes. Mais des dettes grâce à qui ? Bah, ce système de merde. Donc voilà. Donc moi de mon côté, j'espère que ça va marcher comme ça, j'en parlerai plus. L'allocation, je voudrais bien qu'elle arrête de bouger et sera tranquille. Mais bon, donc il faut voir. Donc il faut voir. Moi j'ai aussi des trucs. Je me retrouve avec un découvert incroyable qui n'est pas mon dû. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est le 25. Dans le 25, moi, il me reste quoi ? Avec mon allocation adulte handicapé, peut me rester encore 100 ou 300 euros maximum. Parce que comme le loyer n'est plus sur un de mes comptes, il est sur l'autre. Et l'allocation adulte handicapé est dans une autre banque, vous voyez ? Moi, j'ai deux banques. En même temps, c'est bien. Parce que ça me protège de l'autre banque. Vous voyez, ça me protège d'une banque. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, j'ai comparé avec la TCP, parce que même si ça revient, j'ai dit, je m'en fous complètement. J'ai dit non, c'est pour montrer à plus de que votre système, il est nul. C'est ce que j'ai bien dit. Bah, écoutez, je vais faire monter la vidéo. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal que ça va être long, parce que je fais pas de montage. C'est direct, je mets ça sur MP3, je le formate et je mets une vidéo, bien sûr,
avec je vais essayer de monter la vidéo hein, et faire ça proprement pour que je puisse faire puisse que vous compreniez que voilà qu'est-ce qui se passe réellement. Mais réveillez-vous mes chers amis, que ceux qui sont handicapés n'ont pas demandé ça. Et ça, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'ils aiment bien dire des insultes, des machins, c'est des gens qui n'ont aucune capacité dans le cerveau. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, j'avais envie de monter mon entreprise, qui était Digitonium Emploi. Mais Digitonium Emploi est une association, était une association. Moi, j'étais pas rémunéré dans cette histoire. Et donc, c'était déjà un avantage, parce que une association, c'est une association, c'est à la majorité, c'est bénévole. Mais j'avais le droit d'embaucher des salariés. Alors, ce petit mes deux de merde qui m'a fait, on va dire, couler mon association que je tenais bien, parce que j'y tenais beaucoup, mais je sens que si ça continue, je vais me dire créer cette association. Mais le nom va changer. Mais ce sera une association qui sera autrement. Parce que il faut à tout prix que je tourne. Parce que je ne peux pas tourner comme ça. Vous voyez, moi je veux être protégé légalement. C'est ce que je veux dire, comme ça. Mais le truc dans l'association, c'est que le président n'a pas le droit d'être minéré. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors. Donc, je compte faire ça, je sais pas, je vais voir, parce que comme j'ai un avantage de faire d'abord mon projet au Portugal, qui est prévu, et c'est très important tout ça, parce que c'est vraiment important de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc je m'intéresse à la bourse, je m'intéresse à ceci, mais je m'intéresse à la musique, vous voyez. Donc voilà. Mais c'est dommage parce que les gens ont du mal à comprendre que... le problème vient de l'administration. Vous comprenez, ça vient de l'administration. L'administration, il faut à réviser, quoi. C'est un système à réviser, à revoir, un peu comme ces députés de merde qui servent à rien. Et là, voilà, c'est à cause de ces gens-là qui fonctionnent pas comme il faut, tout simplement. Il faut se dire dans la tête que logiquement, ça aurait dû être comme ça. Voilà, ça aurait dû être que l'handicapé n'aurait pas été touché. Vous voyez. Donc ma femme dit des conneries, c'est elle-même, elle comprend pas, elle a du mal à piger que j'ai déjà expliqué 50 000 fois ça, mais bon, quand des gens comme ça ne réfléchissent pas, c'est des gens qui comprendront rien. C'est pas en se séparant que tu vas tout récupérer, non, c'est des conneries. Et en plus c'est un peu con, c'est qu'elle sait pas, c'est quand on est tout seul, l'allocation adulte handicapé passe, je crois, à 700, 600, je sais pas, ça dépend. Voilà, donc voilà, il faut voir. Donc, ma femme elle est stupide, c'est pas de ma faute, hein, elle comprendra rien. C'est tout. J'ai fait expliquer, mais bon, vous savez, hein. Elle me demande si un tournevis, ça marche dans les oreilles. J'ai dit, c'est pas une question de ça, mais bon. Bref, voilà. Vous voyez, elle est en train de dire des conneries en plus en live, comme d'habitude. Elle dit qu'elle a travaillé. Qu'elle a travaillé au mois de juillet et qu'en réalité ça fait pas longtemps qu'elle a pris le boulot, c'est un petit boulot de quoi, de 4-5 jours surtout, une semaine même pas. Alors je sais pas ce qu'elle va chercher ses conneries à tout le temps. Elle va chercher ses conneries tous les jours et bon, ces genres de personnes sont pas intelligents du tout. Ils se disent intelligents mais c'est pas du tout intelligent. Voilà, c'est juste le problème. Mais bon. Donc je confirme tout ce que je dis. Les nanas par moments sont teubées, et c'est vrai. Mais bon. Allez, Félicia, avant. Donc voilà.
Mais bon. Donc, bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Les gens vont dans un ciboulon complètement déraillé. Ils ne voient même pas ce qu'ils font. On m'a toujours dit que les handicapés, c'est des débiles, c'est des idiots, ils connaissent rien, tatati, tatata, mais je crois que les plus idiots, c'est les normaux, entre guillemets. Hein. Parce que t'as des normaux qui n'ont rien compris au système. Voilà. Bref, voilà. Bah écoutez, voilà. Hein. Ah bah vous savez, hein, depuis que je me promène, là j'envoie des gilets jaunes hein, sur dans les voitures là. Il y a quand même pas mal dans mon coin. Là, je suis pas loin de chez moi, donc voilà. Mais bon, moi, je suis un peu très déçu et c'est un peu agaçant. Donc voilà, c'est un peu agaçant. C'est tout et voilà. Donc, je vais essayer de faire le nécessaire, mais bon. Voilà. D'imaginer de mettre de l'argent. De pas mettre l'argent comme on veut. Ça, même pas ce qu'ils disent. Eux là-bas c'est pareil, lundi prochain ils avaient dit qu'il y avait de l'allocation. D'accord. Bref, voilà. Bah écoutez, c'est juste une petite info qui m'énerve. Hein. Comme d'habitude, ça fait deux fois que je la fais cette vidéo. Mais là cette fois-ci avec ma femme. Et vous voyez, hein, les comportements des personnes ont du mal à comprendre le système. Je sais pas. Bah bref. C'est bien de travailler, je ne vais pas dire le contraire, c'est même le meilleur, c'est ce que je dis. Depuis le début, ça veut dire qu'on ne faut pas bosser. Pour avoir ces allocations, il ne faut pas bosser. C'est qui est vraiment nul. Après, on va dire que c'est les gens qui sont assistés. C'est eux-mêmes les assistés parce que c'est eux-mêmes qui font les conneries. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. À la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.